Bon, bah voilà une petite vidéo en direct de la rue Piton de Bayonne. Il fait pas très très beau, mais bon, il y a beaucoup de monde quand même. Le séjour se passe très très bien. On est en train d'entamer notre deuxième semaine. Et donc on a fait pas mal de sorties, donc hier le rafting avec la course de vachette le soir. Là ce soir je crois qu'il y a un feu d'artifice après la balade à Bayonne. Donc voilà, plein de bonnes choses au rendez-vous. Et donc je dis coucou à tous ceux qui se reconnaîtront. Y compris Claude, Steve, Mumu, Thierry, Ballboy et tous ceux que je n'ai pas cités. Donc je vais essayer de me retourner pour vous montrer un peu ce que ça donne. Contrairement à ce qu'on peut croire, Bayonne est l'une des villes où là aussi, hein, il y a du chocolat. C'est tout ça, Bayonne, hein, et oui, il n'y a pas que le jambon à Bayonne. On va repasser par là, on verra si on prend là ou ailleurs. Voilà, il y en a même, c'est des roses. Parti. Vous vous rendez là? Non, ça va aller. Hop. Mais pose un sur ton truc. Je suis en train de filmer. Ah, tu as filmé tout le truc là? Ah non, mais je filme, je fais. Tu vois, ça continue là. Bah, j'ai fait exprès. Et après, tu vas faire des montages. Oui, c'est du chocolat artisanal. Ah bah oui, attends. Piment des squelettes, il y en a. Du chocolat? Oui, parce que je pense que c'est leur spécialité ici. Claire Marie, pardon. Et voilà, les mêmes boutiques qu'à Paris, hein, Méli Mélo, tout le... Tu fais une vidéo? Ouais, une petite vidéo souvenir. Je suis... Wouhou! Tu tombes dans la civilisation des boutiques. Bah, il y a à peu près les mêmes qu'à Paris, sauf que c'est pas les mêmes. Voilà. Bon, ben, sur ce, je vous laisse et je vous laisse. Et je vous dis à plus tard pour nous.